je peux vous l'obtenir. Vous venez me dire que Sarkozy ça, et Merkel, en 3h30, avaient trouvé 1700 milliards. 1700, oui. Si on a pu trouver 1700 milliards pour les banques, on pourrait trouver les milliards pour la dette du tiers-monde, pour l'annulation de la dette du tiers-monde. Alors pourquoi ne veut-on pas libérer l'Afrique et le tiers-monde ? Le Congo est devenu indépendant le 30 juin 1960. Mais les sociétés minières internationales font des profits astronomiques. C'est les sociétés canadiennes, américaines, françaises, belges aussi. Quoi, c'est toujours les mêmes, c'est Exxon, Total. Oui, c'est toujours les mêmes. C'est les sociétés minières de Colombie, ailleurs. Ben, il est évident que ces sociétés-là n'ont aucun intérêt qu'une démocratie congolaise naisse, ou même qu'un État national, même s'il n'était pas démocratique, forte, enfin solide, n'est-ce capable de négocier vous comprenez là. Je suis là. Hein? Et vous avez responsable, Mouito. Qui est le responsable? Mais je vous ai dit l'autre fois que je ne vais pas voir des gens comme ça travailler comme ça. Il n'a pas les bottes, même celui-là avec des pantoufles. Et Kouyok. Et l'autre en babouche vient. Mouito va chinois ou va Kouyok. Si je trouve ça cet après-midi, je ferme l'usine. Can you hear me? If I find these people with these clothes, I close this afternoon. Your campagne. Non, non, je dis ceci. Si je les trouve comme ça, je vais fermer l'usine aujourd'hui même. Et c'est la dernière fois. Et vos fondeurs touchent $120. Non, non, non. Les fondeurs ne peuvent pas toucher $120. Les fondeurs, le moins payé, c'est $300. Alors maintenant, Amérique du Sud, voilà la Bolivie, où se crée un miracle. Oui. À savoir que tout ce qui se passe au Congo ne se passe pas en Bolivie. Les Blancs sont 13% sur la planète. Hein. C'est dingue. On a l'impression qu'on dirige tout. Hein. Pas l'impression, c'est vrai. Les multinationales occidentales sont les maîtres du monde. Et vous avez dit tout à fait justement tout à l'heure ce qui tient du miracle. Le deuxième pays le plus pauvre d'Amérique latine, ils élisent le premier Indien qui est jamais devenu depuis 500 ans président d'un pays, président d'Amérique latine, dans une élection tout à fait libre. Et Evo Morales Ayma, ce n'est pas un intellectuel urbain déguisé en Indien et qui fait un discours indigéniste comme il y en a d'autres. C'est un paysan. Un paysan indien, il parle mal, il est ennuyeux quand il fait des discours. Il parle doucement comme un indien, vraiment discrètement, etc. Une merveilleuse gueule de d'Aymara avec un nez proéminent, des cheveux noirs, tout ça. Eh bien, ces peuples du silence, complètement niés dans leur existence par les oppresseurs, arrivent au pouvoir par élection. Le 1er mai 2006, il décrète la souveraineté énergétique, c'est-à-dire l'armée bolivienne qu'il a épurée avant, qu'il a chassé les vieux généraux, occupe les principaux champs pétroliers et champs gaziers du pays. Il reprend ce qu'il appartient. Il reprend ce qui est à son pays. Mais c'est légal ? Il a créé cette légalité. C'est moralement totalement légal. Nous sommes ici pour continuer à récupérer nos ressources naturelles et pour consolider la nationalisation et la récupération des entreprises d'État. Les sociétés multinationales payées au trésor bolivien comme taxes et impôts, 5% de leurs revenus et garder le 95%. Aujourd'hui, c'est pratiquement l'inverse. 82% des revenus pétroliers, minérales et gaziers, 82% vont à la Bolivie et 18% vont aux sociétés étrangères. Résultat, ils sont en train d'extraire le pétrole et le gaz. Ils continuent comme société de service. Maintenant, ils travaillent comme société de service. Donc la Bolivie est devenue plus en un jour un pays riche. En un jour, un pays riche et maintenant... Ces milliards de dollars qui affluent dans les caisses sont transformés
un programme Desnutrition Zéro, c'est-à-dire contre la mort enfantine par sous-alimentation, en réseau hospitalier, en assainissement de l'eau, en agriculture vivrière. Hein, vraiment pour la quinoa, ah, formidable. Formidable. Et pourquoi partout et ça, à cause de cette formidable résurgence mémorielle, que la mémoire blessée, silencieuse, réduite au néant par le colonisateur et ensuite par ses successeurs créoles et ensuite par les sociétés multinationales, tout à coup, les Quechua, les Moxo, les Guarani, les Aymara ont pris possession de leur identité. Vous faites quoi comme bilan, Jean? Vous disiez hein, au début, ma vie est un immense échec professionnel, non, à partir du moment où j'ai commencé à être rapporteur jusqu'aujourd'hui, la faim dans le monde a doublé. J'aime bien notre discussion parce que vous posez les questions vraies, c'est pas du tout... Mais cette question-là, je m'interdis à me le poser d'abord. Chacun doit faire ce qu'il peut là où il est, chaque instant. Échec, oui, bien sûr, de mon travail, mais... Du moment que j'ai fait ce que j'ai pu... Mais voilà. Tu comprends, tu... Il y a une phrase de vous que j'adore, je veux enfin vous la dire. Si, moi. C'est que vous avez dit, effectivement, ça pourrait être un échec parce que ça a doublé. Ça l'est. Au moins... Ça l'est, les gens meurent, terminé. Mais au moins, j'ai gueulé. Vous avez dit ça. Oui. Et j'adore ça. Mais au moins, j'ai gueulé. Oui, gueulé, au moins, j'ai pensé, j'ai fait ce que... Il y a une anecdote de Bertolt Brecht. Qui, à la fin de sa vie, se promène dans Berlin, etc., avec un vieux camarade. Et le camarade lui dit, écoute, tu as lutté. Tu as lutté. Et finalement, à la fin de ta vie, à quoi ça a servi? Et Brecht lui répond, il faudrait presque le dire en allemand, ohne uns hätten sie es leichter gehabt. Sans nous, eux, en face. Hein, ils auraient eu la vie plus facile. On les a gênés. Au moins, on les a gênés un petit peu. J'aime beaucoup. Voilà.